Moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'invités féminines. Hein. Je demande si je n'y suis pas quand même pour quelque chose. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est parce que... Moi, on va encore dire que je critique tout. Hein. Je n'ai rien contre le progrès, la science, je n'y comprends déjà rien. Moi, mais des fois, on met des sous. On devrait un peu réfléchir, hein, que je m'explique. Je regardais une émission, et c'était sur un cosmonaute russe qui était dans la station spatiale et qui devait revenir sur la Terre. Attention, l'homme, il a bien droit à des vacances, hein, il n'y a pas que les enseignants. Hein. Le gars, bon, on nous explique, donc, pour aller de la station spatiale en Russie, puisqu'il est russe autant qu'il est là, hein, l'homme, il fait 57 minutes, il met 57 minutes. Moi, je suis basique, hein. Mais si on compare ça sur Terre, pour prendre un exemple, 57 minutes, si tout va bien, c'est le temps qu'on met en train pour faire Liège-Namur. Alors, je me disais, plutôt que de mettre des sous là-haut dessus, ils accéléreraient bien les trains, parce que le mec, il n'est plus à une heure près. Il y a un an qu'il est là-haut dessus. Il n'est pas à une heure près pour... Sa femme n'est pas à une heure près pour le voir. Si ça se trouve, ça l'arrange bien d'ailleurs la femme, hein, parce que je veux pas être médisant, mais pendant un an, elle était sûre qu'il n'allait pas débarquer à l'improviste. Hein. Ça, le coup du facteur, il n'aurait pas pu le faire, hein, l'homme là-dessus. Donc si ça se trouve, elle a eu un peu une vie sur le côté. Attention, elle avait intérêt à ne pas tomber enceinte, hein, parce que pour lui faire croire que c'était d'elle, après un an, le mec, il est peut-être cosmonaute russe, mais il n'est bien snow plus, hein. Mais alors, il y a un autre truc qui m'énerve, ils étaient tout fiers, ils se la pétaient, parce que pour la première fois, ils ont fait pousser de la salade dans l'espace. Et ils la mangeaient, des belles feuilles toutes vertes, qui viennent à chez moi, Benezet, voir mes limaces. Parce qu'ils n'ont pas de limaces, hein, eux, dans l'espace. Il n'y a que chez moi qu'elles viennent à Benezet. Moi, quand je sais, mais elles suivent. C'est l'hôtel de la limace dorée chez moi. Alors il ne faut pas qu'ils exagèrent avec tous leurs sous et leurs 57 minutes et tout le bazar et tout, parce que à Saint-Remis, à Benezet, dans mon jardin, même pas extraordinaire, il n'a quand même tandis que ça quoi qu'il ne va naître, hein. Jean-Michel de Benezet, évidemment.